Alors, je m'appelle Mélissa Sevic, je suis Product Owner et Scrum Master chez Altaïs depuis maintenant 8 mois. Et donc, du coup, je dois prioriser le backlog, rédiger les tickets, gérer l'organisation avec les équipes dev et business. Mon parcours pro avant Altaïs, c'était Renault Turquie à Istanbul. Ensuite, j'ai travaillé au Conseil de l'Europe dans une startup de fintech. J'ai fait plusieurs projets entrepreneuriaux dans la Silicon Valley. Et après, j'ai terminé chez Altaïs. Ce qui m'a décidé à répondre à une offre chez Altaïs, ce sont les missions que le poste proposait. Donc, quelque chose de très responsabilisant, beaucoup d'autonomie aussi. Et c'est ce que je voulais en commençant en tant que product owner junior, d'avoir cette possibilité d'évoluer rapidement. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Altaïs. Alors, mon travail en quotidien est divisé en trois parties. La première partie, c'est la priorisation du backlog et la création des tickets sur Jira. Ensuite, l'organisation des cérémonies d'agilité et l'animation de ces cérémonies. Et enfin, la communication avec les différentes parties de l'entreprise, que ce soit la recette, le pôle projet ou le service client, par exemple. Je collabore principalement avec les développeurs, notamment le lead dev, je partage mon bureau avec lui, mais aussi le product marketing manager. Il y a aussi la recette, le pôle projet, le service client, l'administration de l'entreprise. Ce que j'apprécie particulièrement dans mon travail, c'est la polyvalence, parce qu'il faut travailler avec des équipes techniques ou des équipes de business. Donc avoir un style de communication différent, un dialogue différent, mais aussi le fait de pouvoir créer soi-même le produit, donc rédiger la user story, en ayant capté le besoin en amont, le tester et ensuite voir que ça marche et voir l'utilisateur s'en servir et se rendre compte que ça répond à ce besoin et que tout fonctionne. Alors, l'ambiance de travail chez Altaïs est très conviviale. Les gens s'intéressent vraiment à vous. Les gens sont là pour vous aider à évoluer dans votre travail de tous les jours, mais aussi du côté perso, il y a vraiment un soutien.